Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, j'ai pris la Mangusta de 1969 et ses 305 chevaux, 1185 kilos. Et c'est une voiture très très rare puisqu'elle a été faite à 402 exemplaires. Allez, c'est parti. Toujours en mode expert, donc il n'y a qu'un tour là. Ça sera assez rapide. Je vous remettrai la rediffusion juste après, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce volant, cette petite boiserie au-dessus du volant et cette autoradio typique des années fin 60, début 70, voire fin 70 d'ailleurs. Magnifique, magnifique. Ils en font plus les voitures comme ça. Regardez-moi ce tableau de bord. C'est un truc de malade. Ah, et une bonne accélération quand même. Donc elle est d'origine, hein. Je l'ai pas touché. J'ai juste mis des pneus de course dessus. Sinon, elle est d'origine. Oula. Et voilà, c'est la fin de la course, c'était très court pour cette De Tomaso Mangusta. Allez, je vous mets la rediffusion. C'est parti. Magnifique, magnifique cette voiture. Comme je le disais, une voiture très rare, hein. Et ça marche hein, quand même, hein. Ça marche pas mal. Bon, elle a été produite hein, de 67 à 70, cette voiture. C'est un V8. Vitesse maximale 260 km/h quand même. Et du 0 à 100 en 6 secondes. Voilà pour cette fin de course. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à vous.